شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Coran, surah Al-Isra, surah 17, ayat 23, Allah dit « وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » Le Seigneur a décrété « pas adorer personne à part lui et envers parents un bon traitement. » Et quand un ou soit les deux inatteignent l'âge de vieillesse, pas dire ban la ouf, et pas rejet zut, mais adresse zut pour ban parole respectueuse. Zodi nous t'aime li, kouma traite nous ban grandimoun. Nous réaliser qu'il y a un problème qui nous pas donne ban grandimoun respect qui zut mérité dans la société. Et bien sûr, quand nous cause respect envers ban grandimoun, nous commence par nous ban parents. Déjà, le respect, c'est une caractéristique qui un musulman déjà supposé une. Que ce soit envers ce voisin, ban dimoun sa société, ce ban collègue ou même ban non-musulman dans la société. Mais l'islam, il met en l'emphase l'eau ban parents parce qu'ils méritent un respect en plus. À tel point qu'il ne dit pas dire zut ouf. Attention, n'oubliez pas ban sentiment ou soit ban la pensée qui ban la paix dérange nous. Le respect, il commence par ban parents, mais il n'arrête pas là. D'après un hadith rapporté par Ibn Malik, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit li pas parmi nous celui qui peine à pitié pour ban petit et li peine à respect pour ban grand. Donc ça montre qu'il nous besoin bien agir envers ban vieux dans nos sociétés. Pas à cause d'une intelligence, l'intelligence, intelligence connaissance en plus qui me traite ban là comme inférieur, me maltraite ban là. Vous n'avez pas oublié, c'est à cause de là aujourd'hui qu'il y a l'éducation. Je ne fais sacrifice pour qu'il soit capable d'inculquer sa valeur islamique de l'éducation dans nous, même si on appartient à la connaissance, même si on appartient à l'éducation. Donc, comment nous respecter là? Ce n'est pas un simple geste. Quand on a causé, nous écoute là, nous donne là ça l'attention qu'il soit mérité là pour qu'il ne soit pas senti rejeté. Quand nous dormons, nous trouvons une vieille dîme rentrée. Laisse-nous donner les places. Quand Banna demande nous l'aide, laisse-nous aider Banna, laisse-nous respecter Banna. Nous posons nous-mêmes la question. Si jamais nous nous retrouvons dans une place, nous nous retrouvons nous-mêmes dans une place vulnérable comme Banna, comment nous pas envie que Banna les autres dîmes agir avec nous? Et par rapport à ça, nous aussi nous devons agir de la même façon envers Banna. جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.